Présente-moi deux exemples de citations choisies par tes camarades. Je ne connais qu'un devoir, c'est celui d'aimer. Le sourire que tu envoies revient toujours vers toi. Quelle est la citation sur laquelle tu as choisi de travailler? Peux-tu nous l'expliquer? Albert Einstein, c'est l'auteur, et il a dit: tout le monde a du génie, mais si on juge un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Merci Alicia. Merci Henri. Salut Félicia. Salut Kira. Quelle est la citation que tu as choisie? Moi j'ai choisi « Il y a des fleurs partout pour qui veut les voir » par Henri Matisse. Et toi? Moi j'ai choisi « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis » c'est Robert Baden-Powell. Merci Kira. Merci Félicia. Qu'est-ce qu'une expression populaire? C'est une phrase au sens figuré. Présente-moi trois exemples d'expressions populaires choisies par tes camarades. Raconter des salades. Aujourd'hui, j'étais au parc et mon ami m'a raconté des salades. Il m'a dit qu'il avait vu une girafe voler dans le zoo. La deuxième, tomber dans les pommes. Une fois, j'étais au métro et quelqu'un m'a frappé parce qu'il était alcoolique et je suis tombée dans les pommes. S'évanouir. Et la dernière expression que j'ai choisie, jeter l'argent par les fenêtres. C'est quand que tu achètes quelque chose qui te sert à rien. Quelle est la citation sur laquelle tu as choisi de travailler? Peux-tu nous l'expliquer? J'ai choisi et casser les pieds de quelqu'un. C'est quand tu énerves quelqu'un. Présente-moi trois exemples d'expressions populaires choisies par tes camarades. Avoir un poil sur la main. Ça veut dire que tu fais rien, que t'es paresseux, et qu'à force que tu fais rien avec tes mains, il y a un poil qui pose sur ta main. Aussi, on a quelle mouche t'a piqué. Ça veut dire que quand t'es fou, que tu fais n'importe quoi, et que ton comportement c'est pas comme d'habitude, quelqu'un va te dire « Non mais quelle mouche t'a piqué ?» Avoir le cœur sur la main, ça veut dire que tu es gentil, aimable, que tu énerves personne, que tu as le cœur sur la main. Quelle est la citation sur laquelle tu as choisi de travailler? Peux-tu nous l'expliquer? Moi j'ai choisi découvrir le poteau rose. Ça veut dire de découvrir quelque chose qui était caché à toi. J'ai illustré quelqu'un qui avait trouvé un gros bouquet de roses. Merci Joshua. De rien. Bonjour Eugénie. Bonjour Kessané. Qu'est-ce qu'un proverbe? Un proverbe est une formule souvent au sens figuré qui exprime la vérité ou un conseil de sagesse. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Pour l'exposition, quel proverbe as-tu choisi? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça veut dire, je dois apprendre un poème par cœur, je m'entraîne beaucoup et souvent, petit à petit, j'y arrive. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour notre exposition? Moi, j'ai choisi « Quand court le renard, le poulet a des ailes ». Par exemple, je me promène dans la forêt amazonienne, tout à coup, je vois une mygale. Là, je me dis « Oh là là, quand court le renard, le poulet a des ailes ». Et je m'enfuis à toute vitesse. Merci Kessané. Merci Eugénie. Présente-moi un exemple choisi par ta camarade. L'union fait la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si quelqu'un doit porter un carton, par exemple, il n'arrive pas à le porter, ses copains ou des gens l'aident et ensemble ils vont y arriver. Quel est le proverbe que tu as choisi, toi? Moi, c'était tel et pris qu'il croyait prendre. Merci beaucoup, Elwan. Merci beaucoup, Annie. Bonjour, Sam. Bonjour, Mickey. Qu'est-ce que tu as choisi le dicton pour l'exposition? À venir à passion de ceux qui se lèvent tôt. Et toi? Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est évident. Bonjour Manisha. Quel est le dicton que tu as choisi? Avoir un œil de lynx. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire voir très 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 loin. Et toi, quel est le dicton que tu as choisi? Malin comme un singe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir toujours des bonnes idées. Salut Sophie. Salut Milan.
Qu'est-ce que tu as choisi comme dicton pour l'exposition? J'ai choisi dormir comme un loir, ça veut dire dormir très profondément. Et toi, Milan, qu'est-ce que tu as choisi? J'ai choisi pleurer des larmes de crocodile. Et ça veut dire pleurer pour de faux. Quel autre dicton as-tu aimé? Avoir un chat dans la gorge et avancer comme un escargot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avancer très lentement. Et toi, Milan, qu'est-ce que tu aimes comme autre dicton? J'aime « il n'y a pas de lézard ». Ça veut dire que il n'y a pas de problème. Merci, Milan. Merci, Sophie.